Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect. Et aujourd'hui, nous attaquons à la dernière grande ligne droite. Nous allons aller sur Ilos, arrêter Saren, arrêter Sovereign. Enfin, arrêter le moissonneur Sovereign et arrêter Saren qui croit contrôler Sovereign. Il est temps d'aller sur Ilos. Et là, ça sera vraiment la fin du jeu. Ça sera notre dernière ligne droite, enfin, pour moi, ce sera la dernière fois que je filmerai Mass Effect 1. Il devrait y avoir 3 vidéos normalement. De toute façon, je vais essayer tous les cinématiques qui vont arriver dans la vidéo. Et le jeu est juste magnifique pour cette fin en tout cas. À vous montrer un peu la zone du refuge. On peut faire deux game 3 ici. Ilos. À un jour des protéines, Ilos était un monde verdoyant sur qui prospère la magnifique cité. Un coup de suffit pour constater que cette époque est bien révolue. Survisé par quelques catalysmes inconnus, Ilos présente désormais une surface couverte de rouille, l'atmosphère riche en oxygène, d'immenses brasiers probablement allumés sous parafoudre. Éclaire la face cachée de la planète. On peut en conclure qu'à majeure partie, sinon l'intégralité des formes de vie sont éteintes. Gravité est plutôt agréable, 1,17 G. À peu près comme à terre. Juste avant qu'on ait cette mission, tout ce qui est dialogue, etc., vous les aurez. En fait, tout ce qui est le. Comment ça s'appelle ? Le journal. On lira ça fera une ou deux vidéos de plus, mais on regardera ça dans une autre vidéo à part. Et on va finir l'histoire principale pour ceux qui s'intéresseront. Je mettrai en vidéo bonus le journal entier pour ceux qui s'intéressent. Ou quasiment entier, il me manque peut-être une ou deux entrées, mais c'est pas grave. Shepard, puis-je vous parler? Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi. Et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Ilos. J'espère que nous arrêterons Saren, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Saren a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnête l'une envers l'autre. Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble. Notre dernière chance de montrer nos sentiments. J'aimerais que cet instant soit inoubliable. Ne vous sentez pas obligé. Il faut que vous soyez sûr de vous. Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Dites-moi juste quoi faire. La déesse, c'était incroyable, Shepard. C'est le moins qu'on puisse dire. Arrivé au relais mu, estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Ilos, merci. Commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là.
Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres ? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker ? Je peux y arriver. Préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Impossible de forcer le passage par cette porte. Saren a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir. Nous sommes en plein combat! Excusez-moi pour être sourire. J'ai fini le jeu dans le mode difficulté le plus important. Derrière, j'ai le curseur de souris sur écran. Heureusement que mon logiciel ne filme plus la souris. Enfin, heureusement ou malheureusement. C'est très désagréable. Ah, c'est mieux. Donc. Ah, je peux les écrire. Qui a la compétence ? Décryptage, Garus. Allez, on se bade un peu. Alors ça sert plus à rien, hein. Là de toute façon vous pouvez plus rien acheter, plus rien vendre. En quelque sorte là vraiment dans la dernière ligne droite du jeu. T'as une grenade. Alors vous entendez une sorte un peu de souffle en arrière-plan. Je sais pas c'est quoi pour dire vrai. De mémoire, ça désactive certaines armatures. Merci, Garus.
Voilà, on a éliminé tout le monde, ça veut dire... Ilos. Nous avons découvert Ilos. Si seulement je pouvais examiner tout ça. Certaines choses oubliées auraient dû le rester. Cet endroit me rend nerveux, et pas à cause des guettes. Tous ces vestiges, toutes ces connaissances... J'espère pouvoir revenir un jour. Certaines choses oubliées auraient dû le rester. Voilà, c'est quelques dialogues... Ah, vous savez, Lyra, elle adore tout ce qui est ce lieu-là, vous m'étonnez. En tant que scientifique des protéins, enfin scientifique, en tant que jeune scientifique chez les Alsari des protéins, c'est sûr que ça intrigue. Hein. Bon, nous il faut qu'on trouve la porte d'entrée du bunker. Cours, voilà, c'est tout au fond. Voilà. À moins que cet ascenseur là, je sais plus si on peut prendre cet ascenseur là, mais j'ai un doute. Le premier n'est pas accessible. Voilà, c'est le deuxième qui est accessible. Donc il faut. Alors nous on a fait un petit détour, on est passé en dessous pour neutraliser tout le monde. Moi c'était pour récupérer Lyra. Ouais, voilà, faire en sorte qu'elle revienne à la vie sans que j'utilise le médigel. Nous on va aller. Voilà, il faut tourner à droite ici, nous on va directement aller à la salle de contrôle du bunker. Je sais pas ça représente quoi ces sculptures. J'ai jamais réussi à savoir. Non, je peux pas monter par là, dommage. Faudrait que je cherche. Ça peut être intéressant de savoir ça. Je me suis toujours posé la question, c'est de l'art protéine, c'est curieux. Pas trop dur de toute façon ces combats. Il y a des stalkers ou des sapeurs vu que c'est tout brouillé, des stalkers normalement. Imaginez que là je découvre une armure Colossus humaine niveau 10, légère. Alors que pendant toute la partie j'essaie d'en acheter une, d'en avoir une en achetant, et là tout d'un coup je la rencontre comme ça. Ah, ça vaudrait le coup. À droite. Ah, pour arriver derrière les tireurs. Voilà. Et obtenir un conteneur sécurisé aussi. Pas descendre, dommage. C'est un des défauts, il y a beaucoup de murs invisibles dans ce jeu. Ben. À l'époque c'était normal, maintenant c'est un peu dérangeant. Vous voyez par exemple ça, une descente comme ça. On serait passé par dessus, on serait descendu, mais non, vu que c'est deux zones différentes en fait. Enfin, tous les sapeurs sont morts. On peut aller dans le bunker. Enfin. Ah, il y a une façon de parler. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur dédié. Je gagerais que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Saren ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Il nous faudra découvrir comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. Oh, ce sera pas dur, ça.
prochaine. Alors, je pense que tout métier est arrêté par le rocher. Ah, on peut pirater les armatures, donc ils peuvent nous aider comme ça. Si vous êtes, c'est pratique au premier coup que vous venez ici, quand vous manquez d'équipement, tout ça. En gros, ils vont tirer sur les unités. Sur les unités ennemies. Moi je me dis je suis actif pour XP pour ma part. Get Prime, vous voyez, je l'ai exterminé mais assez violemment. Mais quand vous avez de l'équipement qui est pas aussi poussé que le mien, que vous avez fait par exemple que les quêtes de la mission principale, dans un Get Prime c'est quand même très dur à abattre. Hein, c'est. C'est l'élite. C'est l'élite des unités Get. Mais bon. On lui a fait sa fête. J'ai zappé un truc. Ah oui, j'ai oublié d'aller dans la salle de sécurité. C'est sûr que j'ai oublié de faire moitié des choses. Ça n'aide pas. En fait là, vous allez ici et vous pouvez monter. C'est pareil de l'autre côté, j'ai totalement zappé ce passage. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Il y avoir quelque chose de caché là-haut. Même pas. Bon bah, panneau de sécurité. Dépêchons-nous. Sa reine a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, on se jetterait droit dans un piège. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Attendez. Il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible de... flotte d'invasion. D'apparition. On dirait un message, mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. Du protéen, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéen a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Quel est le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Eh ben, j'essaie bien bugué. Voilà, ça sort qu'on pouvait pas utiliser d'ailleurs, sinon en fait on contournait toute leur sécurité. En tout cas, j'adore cet environnement personnellement. Peut-être le meilleur lieu en fait du jeu. C'est mes décors préférés du jeu, du premier épisode.
quand même bizarre qu'il y ait personne. Qui est favorable à ce que l'on prenne le véhicule pour entrer dans ce couloir maximum ? Bonne idée. Sa puissance de feu sera appréciable. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Eh, rappelez-vous ce qu'on fait ici. Sa reine, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que sa reine nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être pressé. À moins que ce soit encore à venir. Qu'est-ce que c'est que ces choses au mur ? Des conteneurs ? On dirait des modules de stase. Les protéens ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Mais quelque chose a du mal se passer. Désolé, il y a eu une coupure. Ah bah. Ouais, pourquoi ? Bon, attendez. On va retourner à la sauvegarde automatique pour vous, comme ça au moins vous aurez tous les dialogues. Donc je vous aurai une coupure ici et en fait on pourrait être à ce moment-là où vous êtes. À tout de suite. Donc nous revoilà. Qui est favorable à ce que l'on prenne le véhicule pour entrer ? Désolé pour les dialogues. Ça va prendre un petit peu de J'ai temps. Passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Eh, rappelez-vous ce qu'on fait ici. Sa reine, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que sa reine nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être pressé. À moins que ce soit encore à venir. Qu'est-ce que c'est que ces choses au mur ? Des conteneurs ? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Mais quelque chose a du mal se passer. Ce bunker est devenu leur tombeau. Les modules sont morts, emportant leurs occupants avec eux. Tous ? Il doit bien y avoir des centaines de modules. Qu'est-ce que Saren espérait trouver ici ? Il ne reste que des cadavres. Je vais vous laisser avec l'ambiance là. Je vais vous laisser un peu profiter, hein. Je vais éviter que d'autres dialogues soient coupés. Passe-t-il ? C'est un piège ! Sa reine nous a préparé une embuscade ! Je ne pense pas que sa reine soit mêlée à tout ceci. J'étudie les protéines depuis des décennies. Mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux rester sur nos gardes. Donc Vigix sera pour un prochain épisode.
Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à maintenant. Je vous dis à une prochaine fois, ça portez-vous bien. Et à tout le monde à commencer à regarder cet épisode avec moi. Sur Mass Effect.